Bonjour, mardi, je suis devant chez But parce que là il y a un vent. Si j'ouvre ma vidéo dehors, c'est pas possible, ça va faire un bruit fou. Et dans But, c'est possible qu'il y ait de la musique. Je veux en fait chercher, vous savez, j'ai un très beau photophore bleu, petite ambiance sympa du soir, et je sais qu'il existait les mêmes, un en plus petit, un en plus grand, les intermédiaires, et j'aimerais bien, pour faire vraiment l'ambiance générale encore plus sympa, les acheter. C'est pas sûr qu'ils y soient encore, mais bon, on va voir. Les travaux concernant ce qui s'est passé semblent pas encore avoir commencé, mais en même temps, ça se fait pas comme ça, hein. Faut réunir le monde, la délégation, tout ça. De toute façon, je vous tiendrai au courant, même si on a des infos concernant ce qui s'est vraiment passé et les suites. Mon programme, donc, une fois que j'aurai terminé, une fois que je sors de chez But, je passe voir ma maman. Ensuite, je vais chercher Eric au lycée et on file faire des petites courses. Voilà. Est-ce que je vous dis que j'ai mal à la tête depuis ce matin? Bah, je vous l'ai dit. Voilà. Cool. Donc ça, c'est celui que j'ai. On a le plus petit que je vais prendre et on va prendre le gros également. Bon, par contre, il va me manquer encore les LED là. On va voir. Mais en tout cas, je les prends sûr. Je fais un petit tour rapide parce que regardez, j'ai l'impression qu'ils ont sorti des petits éléments sympas en tout cas pour Noël. Vous voyez, des fois, des trucs chouettes. Faut regarder, faut fouiller. J'ai trouvé ce que je voulais, même plus encore, mais il me manque, comme je disais, les LED. Je vais aller chez Action rapidement. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde. Bon, j'ai l'impression que j'ai trouvé hein, les LED. On verra ça pareil à la maison. Il y a un de ces vents, il caille. J'ai été prise d'une grosse flemme pour aller faire les courses. Résultat, nous sommes chez Ange. On prend une pizza pour ce soir, du pain, et ça sera parfait. On fera les courses demain. Voilà, c'est ça. De retour. Je me suis pris une pizza texane, donc viande hachée. J'ai demandé sans leur sauce barbecue, je suis pas fan. Et chouette, je vous montre un peu ce que j'ai pris du coup. Bah, j'ai repris, c'est la bougie LED là, pour mettre dans le grand photophore. Et j'ai pris des petites bougies comme ça, toujours LED, pour le petit. Et j'ai également, alors attends, parce que ça j'ai, ma maman m'a donné des œufs. Pour me dépanner, je vais quand même les mettre au frais. Et donc, à But, j'ai trouvé ça. Je trouve vraiment joli. On dirait, vous savez, la marque, je ne sais pas si vous connaissez, By Charlot. C'est un peu l'idée. Et donc, ils avaient ça. Ils en avaient des bleus marines. J'hésitais aussi, un peu plus foncés. Donc, différents cactus. Il est vraiment joli. Hein. Ouais, je crois que je l'ai payé 4 euros. Ouais, c'est ça. C'est la marque Atmosfera. Shampoing, ça, c'est ma maman. Elle m'a donné son shampoing sec, elle m'a dit qu'elle ne l'utilisait pas. Et comme il fallait que je m'en achète, ça tombe très très bien. Ça, poubelle, on s'en fout. Et, ah oui, je crois que nous avons un mot dans notre boîte aux lettres. J'ai pas eu le temps de le lire, on vient d'arriver. On va regarder ça ensemble. J'ai pris cette guirlande aussi. Alors, c'est pas une guirlande lumineuse, c'est une guirlande décorative toujours chez But. J'ai dit Action tout à l'heure. Ça, c'est But, hein. Vous avez suivi de toute façon. Et je pense que ça peut être très très beau. Alors eux, je pense que ça sera plutôt, ils le présentent plutôt pour faire un chemin de table. Mais moi, je pensais le mettre peut-être sur mon miroir. En mettant des petites LED tout autour. Je sais pas si vous allez voir. Plein de paillettes. Et c'est tellement plein de paillettes que ça en fout partout. 8 euros ça. 10 euros celle-ci. 3 euros celle-là. Et l'intermédiaire doit être à 5 euros, je crois. Donc, qu'est-ce qu'ils nous mettent? Ah oui, donc voilà. Le mot « information aux habitants ». Ah, je découvre vraiment en même temps vous. Alors, dans un souci de sécurité et de prévention suite à des affaissements de terrain, nous vous recommandons les consignes suivantes. Je vais encore flipper. Hein. Faites un tour régulièrement, on a déjà parlé, dans vos caves, jardins, machin, d'éventuelles cavités ou fontis. Si vous constatez un affaissement, évitez, nanana, appelez le 18. Ne tentez pas de combler, un expert devra venir examiner. Suivez les mises à jour de la municipalité. Pensez à appeler le 18 si vous avez le moindre doute. Merci de votre compréhension. Information à part, mesure de sécurité à la suite de phénomènes géologiques dans le quartier historique. J'irai demain matin faire un tour dans la cour. Là, dans la cave, là, je le sens pas. Ouais, j'ai été prise d'une fatigue monstrueuse. C'est pas d'aujourd'hui hein, que j'ai ça. On va tester ça? Je vais peut-être en mettre un petit là. Ça. Est-ce qu'on se met le grand là? Et celui-ci, voilà, comme d'hab. Voilà. Celui-ci, il éclaire pas suffisamment, en fait. Il faudrait peut-être une bougie plus petite. Attends, si j'en mets une plus petite, ça donne quoi?
Ouais, bah ça va, hein. J'ai mis en attendant les toutes petites. Parce que l'idée, c'est quand même qu'on puisse voir un peu les motifs. Et ici, bah, je valide, hein. C'est très joli. Avant, je mettais le sapin de Noël ici, mais finalement, je le voyais pas vu que je lui tournais le dos quand je regardais la télé. Ensuite, je l'ai mis ici. Et là, je souhaiterais le mettre à la place de Jack. Ici, donc peut-être ça partira ou je le pousserai. Je pense que ça sera plus sympa, ouais, de l'avoir là. Je ferai des tests, évidemment. Par contre, je vous le dis, hein, je conseille vivement ce jeu. Il est formidable. Hein. C'est 15€ chez Zooplus, mais on le trouve peut-être partout. Autant, j'ai souvent acheté des jeux et gros fail. Mais alors là, il s'éclate. Mais vraiment. À peine tu l'allumes, il se jette dessus. Donc c'est top, top, top. Et la petite guirlande, ouais, j'avais pensé la mettre là. Tout en enroulant, pas tout de suite, hein, quand je commencerai les décos, un petit éclairage LED en plus. J'ai tenté un truc. Hein. Mettre la petite guirlande comme ça tout du long. Pareil, celle-ci, à chaque fois au moment de Noël, je rajoute une petite LED. Mais je sais pas, je ne suis pas vraiment convaincue. J'ai pas regardé les pizzas. Ah bah ça c'est la mienne, la texane. Ils sont balèzes, hein. On en aura pour demain. Bonjour, petit déj en préparation. Il est 7h30. Je suis bien porteur, normalement je me lève à 7h. Ah non, non, je vais goûter ce pain qu'on a acheté hier. C'est du pain à la semoule. Je suis là. Il est 10h50. J'entendais là, quand j'étais sur mon ordi, un brouhaha, des travaux. Donc je pense que, au loin, je pense que ça a commencé. On va aller voir là vite fait. Il faut que je passe à la pharmacie chercher mon traitement de vitamine D sans trop traîner parce que j'attends aussi une livraison pour la box UPS qui est prévue sur un créneau court. Donc je voudrais pas passer à côté, même si je pense qu'ils vont m'appeler dans tous les cas. C'est quoi ce cadrage? Il y a eu lavage de cheveux ce matin. Et j'ai mis un soin kérastase très concentré. Elle m'avait prévenu de pas trop en mettre parce que c'est pour les cheveux épais et moi c'est pas du tout mon cas. J'ai très très bien rincé parce que l'idée c'est pas de me les aplatir plus que ça ne l'est. Et bon. Allô? Non, non, désolé, vous êtes sur liste rouge là. Ah, c'est de pire en pire. T'as beau les bloquer, et ils reviennent. On se fait un petit look of the day rapidos. Mon pull. Voilà, vous auriez pu me dire que j'ai ramené la campagne avec mon pull robe et mes chaussures. Qui est là? Sur le radiateur? T'es bien, hein? Te brûle pas les fesses quand même. Elle est belle cette papatte. Tu ouvriras UPS, hein? Je me rapproche de mon trou. Bon, bah, ils sont tout remis, hein? Enfin, ils sont en train de tout refaire. Moi, je me suis pas trop approchée. Mais visiblement, ils sont sur le coup, là. Je vais pas souvent chez Yves Rocher, mais je dois dire qu'il est très mignon. Il a l'air, en tout cas, très mignon, leur petit calendrier de l'avant. Ah ouais. Ouais. Avec Jack, je peux pas. Mais vraiment, ces petits rosiers. Je crois qu'en plus, c'est des rosiers d'extérieur, mais ils sont très très jolis, je trouve. Alors, ça, c'est fait. Il est 11h20, j'ai un petit peu de temps avant qu'Eric revienne pour m'avancer. La minière, qu'est-ce que j'ai bien fait de la prendre? Je l'utilise donc pendant mes montages, pendant des sessions de 2, 3 heures, 4 heures. Je vois vraiment la différence. Ça me maintient tellement bien. J'ai passé le cap de l'inconfort, surtout au niveau, ça frôle les clavicules. Je le mets uniquement pour les montages, hein, pour ce qui est des petites choses comme ça, ou même devant la télé, je vais pas, comme je vous disais, faut éviter de trop la mettre. Bon, rapidement, je me suis fait une purée de courgettes, le steak et des pommes. C'est bon, la livraison UPS vient de se faire. On va pouvoir aller, il doit être 13h, 13h10, on va aller faire les fameuses petites courses. Et faut que je passe chez mon imprimeur, chercher les flyers. Je dépose un truc aussi pour ma maman, je rentre et je bosse. Je suis inter au niveau des condiments. J'adore regarder tous les petits aromates. Ça c'est quoi? Piment, oiseau, ça c'est très fort, très très fort. Piment d'Espelette, je crois que c'est celui que je préfère. Bon, j'ai pas trop le droit au piment. Ça aussi, ça me tentait pas mal. Curry au gingembre, je suis à deux doigts de craquer. Hein. Deux petites peluches pour te réchauffer les mains. Je suis pas sûre de l'utiliser, mais c'est vraiment très mignon. Bon, il y a un fascicule pour les frileuses, ça pareil, je vois pas trop l'intérêt, mais c'est très mignonnette. On a pris plus que prévu, je trouve. Hein. On prend toujours plus que prévu. Ah ouais. Je vais vous faire un retour de course. Et là, je suis contente. Il n'y en a pas souvent, du pain sportif à Intermarché. Et il y a un truc qui est complètement fou, c'est que d'un endroit à l'autre, c'est pas du tout le même. Que ce soit en boulangerie, à Leclerc, chez Aldi, chez machin. Une fois j'en ai mangé un avec des abricots, enfin, c'était vraiment pas bon. Et le seul que j'aime, bah, c'est celui-ci, le sportif d'Inter. Je me suis pris, alors ce qui est cool c'est en portions comme ça,
presque individuel, donc je vais pouvoir, une fois que celui-là il sera fini, parce que ça il faut le manger vite, c'est du campagnard sans lactose, non, oui en plus, c'est vrai, sans lactose et sans gluten. Qu'est-ce que je me suis pris? Ah bah rien à voir, mais grosse barrette, petite barrette, j'ai un très gros problème avec ça, je les perds à une vitesse, il doit y en avoir partout chez moi. Je me suis pris mon biphase, les poires comices que j'ai achetées pour ma maman. Des pommes, j'en prends quand même pas mal. Hein. Le céleri, enfin, la branche de céleri. Le retour, normalement je faisais ça plutôt l'été. Faut tout effilocher, je les coupe en petits morceaux. Et j'apprécie. Allez, bouge. Mon gingembre, je n'en avais plus pour faire notamment mon golden milk. J'ai trouvé mon lait de coco pour faire également le golden milk. Je pense que je vais m'en faire un. Comme ça, quand je vais faire le montage, là, juste après, ça va me réconforter. Du beurre, j'ai repris, je le prends pas tout le temps, le Barat. Ça, c'est un excellent beurre. Eric s'est pris une bière, mais vraiment pour l'esthétisme. Je suis pas certaine que vous voyez bien, mais enfin, en gros, elle est ainsi. Du sac poubelle. Alors, lui, il s'est pris ça. C'est Volkanenbrot au seigle complet. De chez Jaquette, le petit carré de chocolat qui va bien au moment du café. Je me suis repris également du persil frais, j'en mets quand même pas mal aussi dans tout, hein, dans mes purées, sur mes viandes, j'aime bien. Je me suis pris un petit truc, regardez. Et maté, ça c'est la marque, 100% naturel. Je vais pas l'utiliser pour le maté, mais je vais l'utiliser pour mon golden milk. Il y a plusieurs couleurs, il est vraiment joli. Avec la petite cuillère infuseur, l'intérieur est comme ça. Est-ce que vous avez compris ou pas ce qui va se passer là? Ah, je suis désolée. Je vais faire mon golden milk et... Oh, faut que vous voyez sa tête, faut que vous voyez sa tête. Mince, il est parti. Je suis obligée de mettre ça quand je vous filme ici. Parce que ma perche, à chaque fois, elle tombe. Il est pas très gentil, ce sac, hein. Un biou. Oh, bah oui, dis donc. Bon, je vous laisse. Il faut que je range toutes les courses. Et je vous dis à vendredi pour la suite. Ciao.